directeur des éditions Séguier, que j'ai reprise en 2012, avec un retour des livres en librairie à partir de 2013. Séguier est une ancienne, vraiment une très vieille adresse de l'édition, puisqu'on a retrouvé trace des premières pièces publiées par M. Coquelin, éditées par une certaine librairie Séguier, au 3 de la rue Séguier. Donc je crois que c'est vraiment une des plus vieilles adresses de l'édition à Paris. C'est une maison qui a connu différentes phases, avec un moment de réussite qui était celui des années 70-80. La maison s'était spécialisée dans les écrits un peu universitaires, un peu pointus, sur les sujets du théâtre, du cinéma, des arts. Et elle a connu un long hiatus, un long hiver dans les années 90-2000. Donc j'ai décidé de... Enfin, j'ai voulu en tout cas réveiller cette belle endormie. Et nos livres sont revenus donc en librairie, comme je vous disais, en 2013, avec l'idée d'essayer de faire de la pop culture, mais avec du contenu. C'est-à-dire qu'il y a un habillage qui est soigné, des prix qui sont assez abordables, ce sont des essais, biographies, textes entre 19 et 21 euros. Un soin particulier accordé à l'esthétique de l'ouvrage et bien sûr au contenu, à la qualité des textes. C'est-à-dire, on n'a pas voulu faire des livres d'apparence branchée qui n'avaient rien à dire. Ce sont des livres qui, je crois, dans leur thématique, dans la manière dont ils sont écrits, sont assez irréprochables. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une patte, il y ait une signature Séguier. Alors, l'apparence et la maquette aident beaucoup à ce que le livre soit reconnaissable en librairie, mais également dans le choix des sujets et les libertés que l'on prend. Nous sommes une maison d'édition qui ne demande pas à un auteur ses papiers, ses opinions ou qui ne s'inquiète pas de ses mœurs. De sorte que vous pouvez trouver dans le catalogue Séguier des écrivains qui ont été mis de côté au motif de leurs options politiques, de leur vie dissolue. Et ça, pour le coup, peu me compte que ces gens-là aient eu une vie à côté de leur écriture. Les textes que l'on publie, bien sûr, eux, n'ont pas de marqueurs politiques, ne sont pas des textes politiques ou des textes licencieux en tant que tels. Ce sont des textes que l'on trouvait indispensables, qui ont été parfois oubliés, il s'agit là de rééditions, ou alors des textes de commande que l'on fait auprès de nos auteurs. C'est d'ailleurs une des spécificités de cette maison, c'est de passer beaucoup de commandes. Je voulais un texte concernant Jacques de Bachère, qui était une figure, une muse de la mode et qui a beaucoup influencé la trajectoire de deux couturiers en particulier. Lui-même n'a rien créé, il n'a laissé aucune œuvre, mais sa trajectoire parmi ceux qui ont commis des œuvres me paraissait indispensable. Donc on a passé commande auprès d'une auteure qui nous paraissait pouvoir traiter le sujet. Et cela vaut pour beaucoup de thèmes. John Ford et les Indiens, c'est une commande. Que dire encore de très récent, la biographie sur Michel Déon, écrivain classique, disparu il y a un an, mais finalement peu lu aujourd'hui. Et donc on voulait un peu le réhabiliter et précisément le sortir d'une étiquette politique particulière, le réinstaller au milieu des écrivains français de langue classique. Alors, quand on est éditeur, on est effectivement un observateur privilégié du marché du livre. Et il ne peut y avoir qu'un seul constat depuis plusieurs années, c'est que nous sommes quelques-uns installés sur une banquise qui n'en finit pas de fondre à vue d'œil. Donc le marché du livre ne va pas très bien. Dans sa globalité, il baisse un peu, mais à y regarder de plus près, on observe que la littérature, la biographie, les correspondances, on va dire les livres intelligents, ceux de littérature bien frappée, ce sont des livres qui aujourd'hui, dans leur secteur considéré, sont exposés à une baisse de marché, à une crise importante. Et donc quand on est éditeur, eh ben, on s'en préoccupe évidemment, mais je crois qu'il est très important de ne pas sortir de la ligne éditoriale et des objectifs que l'on s'est fixés. Ce n'est pas parce que le marché est décroissant qu'il faut, je crois, aller aux facilités. Donc nous, on fait le pari qu'on fidélisera autour de la marque un certain nombre de lecteurs, qu'ils ne nous abandonneront pas et qu'ils auront toujours la curiosité de regarder ce que l'on propose au catalogue. Donc on publie une quinzaine d'ouvrages par an, entre 12 et 15,
Sachant que une année est beaucoup plus courte qu'on ne le croit, parce que nous, par exemple, nous ne pouvons pas publier d'ouvrage entre le mois de juin et la fin août. Il y a un marché du livre d'été qui ne nous concerne pas. Donc finalement, une année se joue sur 8 mois, 9 mois. Et publier entre 12 et 15 livres quand on est une petite maison d'édition comme nous, ça oblige à une rigueur très professionnelle, à une organisation, et ça laisse peu de place à l'amateurisme. Et si on pouvait avoir un rêve, c'est d'installer définitivement Séguier dans le paysage éditorial français, en occupant notre place, notre case, et puis bien sûr, faire en sorte que, une fois l'an, ou peut-être tous les 2 ans, il y a un livre qui a un succès, une reconnaissance supérieure aux autres, et permet finalement à la maison d'avoir une vague justification économique. Mais éditer à cette échelle-là, c'est du dandysme. Voilà. Et là, pour une fois, le dandysme, c'est pas un habit. C'est quelque chose qui engage, et qu'il faut assumer.